Shalom, 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 mes frères et sœurs, shalom toute la famille, c'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir vous raconter encore une fois ce soir. Nous sommes toujours en train de continuer dans notre travail avec le Seigneur. Cette semaine, nous allons commencer un autre nouveau sujet. Notre sujet de cette semaine est de prière. Avant, prier avant de dormir. Nous allons prier ensemble avant de dormir. C'est ça le thème et nous allons pratiquer ensemble le thème. Nous allons nous mettre à prier ce soir. Je veux que tu pries avec moi là où tu es. Je veux que tu puisses prendre le temps de prier. On va prier ensemble. Donc, ce sont des prières qu'on va faire avant de dormir parce que dans la plupart des gens qui nous regardent ce soir, c'est le temps de dormir. Alors, le temps de dormir, avant de dormir, tu vas prier ce soir avec moi. Alors, nous sommes en train de prier ensemble avant de dormir. Et en priant ensemble avant de dormir, il y a quelque chose qui va se passer. Nous allons produire de nuits paisibles. Tu pries avant de dormir et ton sommeil sera doux. C'est vraiment très important. Le sommeil fait partie de quelque chose vraiment très, très important que notre Seigneur a mis dans le plan de nos vies. Alors, si tu négliges le sommeil, si on arrive à te voler ton rêve, la nuit, le sommeil, alors c'est quelque chose qu'on combat que tu ne sais pas. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, on va prier ensemble avant de dormir. On va prier ensemble et je suis dans la foi et la confiance que le Seigneur va te visiter pendant cette prière et tu vas bien dormir ce soir. Alors là où tu es, tu peux déjà commencer à prier avec moi. Commence déjà à prier parce que nous sommes en train de prier ensemble avant de dormir. Alors, ceux qui vont regarder, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos après notre direct sur Facebook, YouTube et d'autres plateformes. Alors, pendant que toi regardes, tu vas prier et te préparer pour dormir la nuit. Alors, nous allons commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire déjà à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh yes, cette nuit aujourd'hui, Seigneur. Je veux voir ta visitation dans mes rêves. Je veux voir ta visitation dans mon sommeil. Je veux voir ta visitation. Tu vas prier, tu vas dire à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, cette nuit, tu vas me visiter, Seigneur. Je suis dans la foi. Commence à prier. Dis, oh Seigneur Jésus, c'est toi qui me fais dormir la nuit. C'est toi qui me donnes une nuit paisible. Je dors tranquille parce que toi, mon Dieu, tu me fais dormir. Je dors tranquille parce que toi, mon Dieu, tu me donnes le joli sommeil, sommeil doux, 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 doux. Ouvre ta bouche, prie avec moi. Commence à prier parce qu'il est temps que tu commences à bien dormir. Il est temps que tu commences à faire des jolis rêves. Il est temps que ton sommeil devienne doux. Il est temps que ton Dieu et ton roi puisse visiter ton sommeil. Prie avec moi par le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, oh mon Dieu, je vais dormir en paix. Je vais dormir en paix par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, je vais dormir en paix. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, je veux dormir en paix. Je veux dormir en paix. Je veux dormir en paix. Si toi, tu dors déjà en paix, alors prends cette prière ce soir. Donne ça à ton frère. Donne ça à ta mère. Prie pour ta mère. Prie pour ton père. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Prie, dis à ton Dieu, oh mon Dieu, je suis en train de demander un sommeil doux. Je suis en train de demander un sommeil doux. Oh mon Dieu, mon roi, je veux voir. Je veux que tu me visites dans mes sommeils. Je veux que tu me visites. Tu vas prier, tu vas lui dire, commence à lui dire, oh mon Seigneur, je veux que tu me visites. Je veux que tu me visites. Oui. Mes frères et sœurs, je dis à quelqu'un, il y a beaucoup de gens quand ils dorment, ils voient des anges. Il y a beaucoup de gens quand ils dorment, ils voient Dieu. Il y a beaucoup de gens quand ils dorment, ils voient Jésus. Mais pourquoi toi, quand toi tu dors, tu es attaqué la nuit? Pourquoi toi, est-ce que quand tu dors, il y a des cauchemars? Et pourquoi est-ce que toi, quand tu dors, tu vois des choses compliquées? Non, ça doit terminer. Ça doit terminer. C'est pourquoi je veux que tu pries, tu dis à toi, oh mon Dieu, je veux que tu pries avec moi ce soir. Je veux que tu commences à dire à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, par le nom puissant de Jésus. Je vais dormir, je vais dormir. Donne-moi une nuit paisible. Seigneur Jésus, donne-moi une nuit paisible. Par le nom puissant de Jésus, donne-moi une nuit paisible. Ô mon Seigneur, ô mon Dieu, ô mon roi, donne-moi une nuit paisible. Je te le demande par le nom de Jésus. Je te le demande par le nom puissant de Jésus.
Oh mon Seigneur, donne-moi une nuit paisible. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. Oh, continue à prier avec moi, mon frère. Continue à prier avec moi, ma soeur. Ouvre ta bouche, prie. Prie ce soir avant de dormir, avant que tu pars au lit. Je veux que tu pries avec moi. Avant que tu pars au lit ce soir, je veux que tu pries avec moi. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Dis à ton Dieu, oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, visite-moi dans mon sommeil. Visite-moi dans mon sommeil. Je demande, Seigneur, ta visitation dans mon sommeil. Je demande, ô mon Jésus, ta visitation dans mon sommeil. Je demande, ô roi, ô mon roi, ta visitation dans mon sommeil. Toi aussi, tu dois commencer à avoir des nuits prophétiques. Toi aussi, tu as le droit d'avoir des nuits prophétiques. Le temps où tu avais les cauchemars doit terminer. Le temps où tu avais des cauchemars doit terminer. Tu vas dire à ton Dieu, oh mon Dieu, je suis en train de prier. Je suis en train de prier ce soir. Oh mon Dieu, je suis en train de t'invoquer. Invoque ton Seigneur. Dis à ton Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a des cauchemars dans mes nuits? Pourquoi est-ce qu'il y a des cauchemars dans mes nuits? Tu es en train de prier pour toi. Tu es en train de prier pour ta famille. Tu es en train de prier pour ta maison. Tu es en train de prier pour tes frères et tes sœurs. Tu es en train de prier pour tous les gens de ta maison. Ouvre ta bouche et demande à ton Dieu, oh mon Dieu, quelle est la raison qui provoque les cauchemars dans ma vie? Oh mon Dieu, quelle est la raison qui provoque des mauvais rêves? Oh mon Dieu, quelle est la raison qui provoque des attaques? Tu vas lui dire, parce que tu as besoin de connaître le secret de ces choses. Tu dois connaître le secret de ces choses. Alors ouvre ta bouche et prie avec moi. Tu peux répéter, je suis en train de te montrer le modèle. Je suis en train de te montrer le modèle qu'on m'a prié. Tu vas dire, oh mon Dieu, montre-moi le secret de ma vie. Montre-moi le secret de ma vie. Pourquoi est-ce qu'il y a de mauvais rêves? Pourquoi est-ce qu'il y a de mauvais rêves dans ma vie? Pourquoi? Oui, si tu es attaqué par des mauvais rêves, ce soir tu vas prier. Si tu es attaqué par des mauvais rêves, ce soir tu vas prier. Tu vas dire à ton Dieu, oh mon Seigneur, montre-moi pourquoi est-ce qu'il y a de mauvais rêves? Pourquoi est-ce que je suis attaqué par des mauvais rêves? Pourquoi est-ce que, Seigneur, je suis attaqué par de mauvais rêves? Prie avec moi. Tu es en train de prier avec moi avant de dormir. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas prier et tu vas dormir en paix. Tu vas prier et ton sommeil sera doux pour toi. Parce que tu es en train de dire à ton Dieu, oh mon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse les cauchemars. Je refuse le mauvais rêve. Le rêve où je voyais où on attaquait ma vie, ça doit terminer. Le rêve où je voyais où on est en train de me faire courir avec des machettes, ça doit terminer. Le rêve produit par la sorcellerie, ça ne doit plus entrer dans ton cerveau. Tu vas prier avec moi. Prie avec moi. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, par le nom puissant de Jésus, je refuse le rêve de cauchemar. Je refuse le rêve produit par les sorciers. Je refuse le rêve des attaques, les attaques de la nuit, les attaques des minuit. Je refuse à ces attaques par le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire à ton Dieu, prie, demande à ton Seigneur, oh mon Dieu, mets un ange, mets un ange, mets un ange devant la porte de mes rêves. Mets un ange devant la porte de ma maison. Mets un ange devant la porte de ma chambre. Mets un ange autour de moi. La nuit, même quand je dors, la nuit, même quand je dors, je prie, Seigneur, que ton ange soit à côté de moi. Que ton ange soit à côté de moi. Oh, protège-moi, Seigneur, par tes anges. Protège mon sommeil par tes anges. Prie avec moi, honoré Jésus. Prie avec moi, honoré Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier ce soir? Oh, shalom, frère Jacques. Shalom, papa Alain. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Aide-moi à partager cette vidéo pour que nos frères et sœurs puissent se joindre à nous. Enfin, qu'ils puissent prier avec nous. Nous sommes en train de faire une prière ce soir. Tu es en train de prier à ton Dieu. Dis à ton Dieu avec moi. Oh, mon Seigneur. Je suis en train de prier ce soir avant de dormir. Je suis en train de prier ce soir avant de dormir. Je suis en train de donner ma vie entre tes mains. Je suis en train de donner ma famille entre tes mains.
Je suis en train de donner mes frères et sœurs entre tes mains. Je suis en train de donner toute ma famille dans tes mains, ô Seigneur mon Dieu. Ce soir, avant de dormir, je suis en train de me donner à toi, ô mon Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de te provoquer dans une vie de prière. Le Seigneur est en train de te provoquer dans une vie de prière. Tu ne peux pas être chrétien et vivre à l'aisement comme ça et tu n'es pas en train de prier. Tu ne passes pas le temps dans la prière. Non, 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 ça ne doit pas être normal. Ce soir, je t'invite à prier avec moi. Ce soir, je t'invite à prier avec moi avant de dormir. Prie avec moi avant de dormir. Ouvre ta bouche. Dis à ton Dieu, oh mon Seigneur, je suis en train de te confier ma vie avant de dormir. Je suis en train de te confier ma famille avant de dormir. Je suis en train de te confier mes enfants avant de dormir. Tu prie pour ta femme. Dis à ton Dieu, oh mon Seigneur, je te confie ma femme avant de dormir. Toi, femme, prie pour ton mari. Dis, Seigneur, je te confie mon mari avant de dormir. Prie pour ta maison. Dis à ton Dieu, oh Seigneur, je te confie ma maison avant de dormir. Je te confie ma maison avant de dormir. Au nom de Jésus, prie. Ouvre ta bouche, continue à prier avec moi. Oh Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir. Comme un groupe, ensemble, nous sommes en train de prier ce soir. Cette semaine, nous allons prier avant de dormir. Tu vas dire, toi qui avais la vie de la prière qui t'avait fui, tu vas dire ce soir, oh mon Seigneur, aide-moi à prier. Mon Dieu, aide-moi à prier. Je veux une vie de prière. Je veux qu'une vie de prière recommence dans ma vie. Avant de dormir, oh mon Seigneur, je veux passer au moins une heure avec toi. Je veux passer un temps de prière avec toi. Ouvre ta bouche, prie devant ton Dieu. Ouvre ta bouche, prie devant ton Dieu. Je dis shalom à maman Aziza. Sois bénie, maman. Par le nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et prie avec moi. Dis à ton Dieu, dis à ton Seigneur, oh mon Seigneur, je m'amène devant toi. Je suis en train de confier ma vie devant toi. Oh Seigneur, ce soir, je veux prier avant de dormir. Je veux prier avant de dormir. Je veux que ça soit une habitude. Je veux que ça soit une habitude. Je veux prier devant toi, mon Dieu, avant de dormir. Commence à confier ta vie à Dieu. Commence à confier ta vie à Dieu. Ce soir, avant que tu dors, confie ta vie à Dieu. Je dis à quelqu'un quelque chose, une histoire de la Bible, et puis on continue à prier ensemble. Nous sommes en train de prier. La Bible me dit qu'un jour, un maître, un bon maître, était parti. Il est parti, il a planté des bonnes choses dans son champ. La Bible nous dit, la nuit, quand les gens dormaient, un mauvais, un Satan, un démon est parti planter les mauvaises choses dans le champ. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il est important de prier la nuit avant de dormir. Parce qu'il y a un méchant, il y a tes ennemis qui travaillent la nuit quand nous nous dormons. Et ils se réveillent pour commencer à travailler. C'est pourquoi tu vas dire, je veux que déjà tu commences à faire monter et dis à ton Dieu, oh mon Dieu, aide-moi à prier. Amène le réveil dans ma vie. Amène le réveil dans ma prière. Amène le réveil. Yes, Seigneur, donne-moi la force de prier. Quelqu'un, tu vas dire à ton Dieu, donne-moi la force de prier. Je veux être un prière. Je veux être en prière. Je veux être un warrior dans la prière. Je veux prier avant de dormir. Tu es en train de prier. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de dire à ton Dieu, je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Oh Seigneur, aide-moi. Là où il n'y avait pas la force, là où il n'y avait pas la force, le Seigneur veut ajouter la force. Là où il y avait le découragement, le Seigneur veut encourager quelqu'un ce soir. Comment ça va se passer? Cela se produit dans la prière. Alors entre dans la prière avec moi. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je dis shalom à Divine, je dis shalom à Cathy. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Nous sommes en train de prier ce soir avant de dormir. Tu vas dire à ton Dieu, oh mon Dieu, la bouche de Karamasa, je t'invoque avant de dormir. Ce soir, je t'invoque avant de dormir. Je t'invoque, oh mon Seigneur, avant de dormir. Je t'invoque avant que je monte sur les lits. Je t'invoque avant que je me couche. J'invoque ton nom, oh mon Dieu, parce que toi, tu ne dors pas, mon Dieu. Toi, tu ne dors pas. Toi, tu restes debout, oh mon Seigneur. Toi, tu ne dors pas. Nous, nous dormons parce que nous sommes fatigués. Nous avons nos
avons besoin de nous reposer. Nous nous dormons parce que nos cerveaux sont fatigués. Nous avons besoin de nous reposer. Mais toi qui ne dors pas, toi qui ne somnole pas, ô Seigneur, garde-nous contre les attaques de la nuit. Garde-nous. Ouais, l'écriture, j'ai l'écriture de ce soir où quelqu'un est en train de prier à son Dieu. Dans le psaume 91:1-2, qu'est-ce qu'on dit? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai dit à mon Dieu, en qui je me confie. Il est celui qui est le Tout-Puissant et il est celui qui est en haut. Il est celui qui est le Tout-Puissant et il est celui qui est en haut. Alors prie avec moi, dis à ton Dieu, c'est lui qui est en haut. Dis à ton Dieu, c'est lui qui est en haut. Ô mon Seigneur, mon Dieu, ô mon Seigneur, mon Roi, je suis en train de me confier en toi. Je me confie, je confie ma vie entre tes mains. Je confie ma vie entre tes mains. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Roi, je me confie en toi, ô mon Dieu. Cette nuit ici, je me confie en toi, ô mon Seigneur. Seigneur, parce que tu es le Très-Haut, parce que tu es le Dieu élevé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu Très-Haut. Voilà pourquoi je me confie en toi ce soir. Voilà pourquoi je me confie en toi ce soir. Tu es le Dieu élevé. Tu es en train de prier. Prie avec moi, mon frère, prie avec moi, ma soeur. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en ton Dieu. Même si toi tu dors, lui il reste debout pour veiller sur toi. Même quand toi tu dors, lui il reste debout pour veiller sur ta famille. Même quand toi tu dors, lui il reste debout pour veiller sur tes affaires. Même quand toi tu dors, lui il reste debout. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, confie-toi à l'Éternel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ha hande, ha hande, ha randa, lopete, kenda, shonda, baramondo, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, au nom de Jésus, ce soir, tu vas demeurer par ta parole, la prière de ta parole. Ton lit, ça sera un lit qui est sous la demeure de Dieu. Ta maison sera une maison sous la demeure du Dieu Très-Haut. Tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu te mets pour dormir, tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux me reposer sous ton ombre, au nom de Jésus. Je veux me reposer sur ton ombre, sous ton ombre. Laisse que le Seigneur puisse te couvrir, couvrir ta maison, couvrir tes enfants, couvrir ta famille, pendant que toi tu vas dormir, pendant que toi tu vas te reposer, que le Tout-Puissant, que le Très-Haut te couvre. Alors entre sous l'abri du Très-Haut. Comment tu entres sous l'abri du Très-Haut? Par la pure parole de ta prière, par ta prière ce soir. Tu vas lui dire, oh mon Dieu, couvre-moi. Oh mon Dieu, couvre-moi. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, demande à ton Dieu de couvrir ta vie. Demande à ton Dieu de couvrir ta vie. Par le nom puissant de Jésus, oh mon Dieu, couvre-moi. Couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, mon Dieu. Couvre-moi. Yes. Toi aussi, tu vas bien dormir la nuit. Tu vas bien dormir. Il a si abondé. Je dis à quelqu'un, l'importance de bien dormir la nuit est que tu dois te réveiller pendant la journée et accomplir des grandes choses. Parce que si tu ne dors pas bien, quand ta nuit a été volée, quand ta nuit a été attaquée, il y a des gens qui se réveillent fatigués. Il y a des gens qui se réveillent découragés. Et de toi, des fois, tu penses que c'est normal. Non, 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 non. C'est un combat qui s'est produit la nuit où on t'a tapé. C'est un combat qui s'est produit la nuit où on t'a fait porter des kilos. C'est pourquoi tu vas dire non. Tu vas dire non. Tu vas dire non à toutes les histoires qui attaquent ta vie et qui te dérangent. Commande-toi à dormir sous l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi avant de dormir ce soir. Prie, ouvre ta bouche. Dis à ton Dieu, dis, oh yes, Sarah Mondo Keta, que ta prière
deviens sérieux dans ta prière, deviens sérieux dans ta prière, parce que le Seigneur veut te donner la paix dans ton sommeil. Le Seigneur veut, là où il y avait des sorciers qui te faisaient fuir, le Seigneur veut annuler ces histoires. Le 7 semaine, le Seigneur va annuler ces histoires. Là où il y avait des cauchemars, le Seigneur va mener le feu de l'esprit. Là où il y avait des batailles que tu ne pouvais pas gagner, le Seigneur va changer ces choses-là. Tu vas avoir la délivrance cette semaine. Tu vas avoir la délivrance dans ta prière. C'est pourquoi prie avec moi. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, je prie ce soir avant de dormir. Que ta puissance entre dans ma tête. Que ta puissance entre dans ma maison. Que ta puissance entre dans ma vie. Pendant que je veux me coucher ce soir, je suis en train de prier, oh mon Seigneur, que ta puissance me couvre. Que ta puissance me couvre. Que ta puissance me couvre au nom de Jésus. La Bible nous dit que ceux qui font le mauvais travail, que ceux qui font le travail de la haine, ceux qui font le travail de la sorcellerie, ils le font dans le noir. Ils le font la nuit. La nuit, quand nous nous dormons, c'est quand eux, ils sortent pour faire leur mauvais travail. C'est pourquoi ce soir, tu vas commencer à annuler le travail de l'ennemi. Tu vas commencer à annuler le travail de la nuit. Tu vas commencer tous les travaux de la nuit contre toi. Tous les travaux de la nuit contre ta vie. Tu vas commencer à l'annuler. Tu vas dire, au nom de Jésus, je suis en train de refuser le travail de l'ennemi contre ma vie. Tous les travaux de la sorcellerie contre ma vie. Ceux qui travaillent la nuit contre ma vie. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis en train d'annuler le travail par le feu de l'esprit. Je suis en train d'annuler, le nom de Jésus. Toutes les chaînes qu'on a mis sur ta vie la nuit, aujourd'hui tu vas le briser par le nom de Jésus. Aujourd'hui tu vas le briser au nom de les attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi contre ta vie. Ceux qui commencent. Il y a quelqu'un, des histoires ont commencé contre toi depuis la nuit, dans les rêves, dans les cauchemars, et maintenant ça se manifeste dans ta vie comme ça. Tu vas commencer à annuler ces choses-là. Tu vas dire le feu, tu vas envoyer le feu à la source. Tu vas envoyer le feu à la source par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que ça commence à brûler. Les choses qu'on a inventées contre toi, les choses qu'on a écrites contre toi la nuit, les choses qu'on a mises contre toi sur les autels la nuit, aujourd'hui, tu vas dire au nom de Jésus, oh mon Dieu, détruis toutes ces choses qu'on a plantées contre ma vie la nuit, détruis toutes les choses qu'on a écrites contre ma vie la nuit, oh mon Dieu, détruis par le nom de Jésus, yes, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, prie avec moi ce soir, au nom de Jésus, que le feu de Dieu brûle les choses contre toi. Que le feu de Dieu brûle les choses qu'on a écrites contre toi la nuit. Que ça brûle. Par le nom puissant de Jésus. Que ça brûle. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voyons un peu ce que l'écriture de Psaume 91.5 nous dit encore. Psaume 91.5, c'est très puissant. Je te demande de tout lire à ces psaumes. On va beaucoup visiter ça pendant cette semaine aussi. Regardons un peu. On nous dit quoi? Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni le flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors, la crainte de la nuit doit fuir. Tous les terreurs de la nuit qu'on invente contre toi, qu'on écrit contre toi, qu'on plante contre toi. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus le craindre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de la peur. Il y a quelqu'un qui va dire que, oh, moi, dès que je dors, ces histoires commencent. Dès que je monte sur les lits, les histoires commencent. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par dire, je refuse d'avoir peur. Au nom de Jésus, je refuse d'avoir peur. Au nom de Jésus, je refuse. Commence à refuser. Tu es en train d'utiliser le nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi, Satan, démon, sorcier et toutes vos histoires, vous n'allez pas me faire peur. Au nom de Jésus,
par le nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire non. Je suis en train de dire non au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire non au nom puissant de Jésus. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Je refuse. Yes, yes, c'est possible. C'est possible de faire fuir la peur qu'on a installée contre toi la nuit. C'est possible, oui, parce que je vous ai dit l'écriture où on nous dit que le bon maître a sémé les bonnes choses dans son champ. La nuit, quand les gens dormaient, le mauvais, les démons, les sorciers, les serpents anciens est venu, il a planté des mauvaises choses. La nuit, quand les gens dorment, c'est quand lui, il sort pour planter des mauvaises choses. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Tu vas dire, non, 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 par le nom de Jésus, la peur qu'on a installée contre moi, ça ne va pas marcher. Par le nom puissant de Jésus. Oh, je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant, au nom puissant de Jésus. La puissance du Seigneur est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un ce soir. La puissance de Jésus est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, toi aussi tu vas commencer à bien dormir. Toi aussi tu vas commencer à bien dormir. Toi aussi tu vas commencer à bien dormir. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. La puissance du Seigneur doit tomber sur ta vie. La grâce de Dieu doit tomber sur ta vie. La faveur de Dieu doit tomber sur ta vie. La grâce de Dieu doit tomber sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui va prier avec moi ce soir. Nous sommes en train de prier avant de dormir. Nous sommes en train de prier avant de dormir. Tu vas prier, tu vas dire, oh Jésus, Jésus, délivre-moi de toutes les chaînes qu'on a mis sur moi la nuit. Oui, j'ai dit à quelqu'un, tu vas dire à Jésus, toutes les chaînes qu'on a mis sur toi la nuit, pendant que toi tu dormais, ils sont venus contre toi, ils ont mis des chaînes que tu connais pas, des chaînes que tu connais pas. Tu sais seulement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, mais tu ne sais pas c'est quoi. Oui, ce sont les chaînes de la nuit, ce sont les chaînes de la nuit. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre-moi de toutes les chaînes de la nuit, délivre-moi de toutes les chaînes qu'on a mis sur ma vie la nuit, toutes les chaînes qu'on a mis sur ma vie la nuit. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre-moi. Tu es en train de prier pour toi, tu es en train de prier pour tes frères, tu es en train de prier pour ta famille, tu es en train de prier pour ta maison. Tu es en train de dire, oh mon Dieu, délivre, délivre, yes, toutes les chaînes de la nuit. Au nom de Jésus, là, ma prière d'avant de la nuit aujourd'hui, avant que je dors, c'est une prière qui va briser des chaînes pour moi. C'est une prière qui va délivrer ma famille. C'est une prière qui va délivrer mes frères et mes soeurs. C'est une prière qui va délivrer ma femme. Prie au nom de Jésus. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, au nom de Jésus, prie pour ta maison, qui est au nom de Jésus. Ce soir, pendant que tu es en train de dormir, la puissance de Dieu va travailler pour toi. La prière, ta prière ne va pas dormir avec toi. Toi, tu vas dormir, mais ta prière va rester debout, au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus, quelqu'un, tu vas continuer à prier. Continue à prier avec moi ce soir. Toutes les chaînes qu'on a mis contre toi la nuit, toutes les chaînes qu'on a travaillé contre ta vie la nuit, aujourd'hui tu vas le briser. Aujourd'hui tu vas le briser. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre-moi des chaînes de la nuit. Délivre-moi des chaînes de la nuit. Toutes les chaînes de la sorcellerie qu'on a mis sur ta vie, qu'on a mis sur ta famille, tu vas dire à ton Dieu de les briser. Kono sinda humde shinda. Comment à prier, commence à prier la pression qu'ils ont mis contre toi la nuit. Aujourd'hui, toi, tu vas mettre la pression sur eux. Ils seront brisés. Au nom de Jésus, prie avec moi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche à prier. Dis à ton Dieu de délivrer ta vie. Dis à ton Dieu de délivrer ta vie. Au nom puissant de Jésus, dis à ton Dieu, Brenda, Brondo, par le feu, par le feu, par le feu, délivre ma vie, mon Dieu.
délivre ma vie, mon Dieu, par le feu du Saint-Esprit, délivre ma vie de toutes les attaques de la nuit, de toutes les flèches de la nuit, toutes les flèches de la nuit, toute la terreur de la nuit, délivre ma vie, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un est en train de prier sérieusement ce soir. J'ai dit à quelqu'un, quand ton problème devient compliqué, tu dois faire des prières compliquées. Quand ton problème devient noir, tu dois faire des prières blancs, des prières de feu. Quand ton problème devient serré, tu dois faire des prières pour desserrer ta vie. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire, oh mon Dieu, délivre ma vie de toutes les attaques de la nuit. Oh mon Dieu, délivre ma vie de toutes les attaques de la nuit. Maintenant. Parce que la nuit, quand toi tu dors, et ils viennent avec leurs mauvais plans. C'est pourquoi tu vas dire, oh mon Dieu, délivre ma vie de toutes les attaques de la nuit. Oh mon Dieu, délivre ma vie de toutes les attaques de la nuit. Oh mon Dieu, délivre, yes, délivre, au nom de Jésus. Continue à prier, yes, au nom de Jésus, tu es en train de presser, yes, quelque chose va être brisé ce soir, il y a une délivrance qui va arriver dans ta vie ce soir, la puissance de Dieu va délivrer ta vie ce soir, tu vas dire, Jésus, délivre ma famille de tous les combats de la nuit que je ne sais pas, Jésus, délivre ma maison de tous les combats de la nuit que je ne sais pas, Jésus, délivre ma vie. Yes, quelqu'un, tu vas prier pour tes affaires aussi. Tes affaires aussi. Ça fait partie des choses que l'ennemi attaque la nuit. L'ennemi, il aime attaquer la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est ténébreux. La nuit, c'est sombre. Et la nuit, tous les gens dorment. Voilà pourquoi lui, il sort la nuit pour faire le travail de la nuit, le travail du ténèbre, le travail de la sorcellerie, le travail de la magie, le travail de vaudou, le travail de féticheur. Il le fait la nuit parce que son travail, c'est le travail de la honte. Parce que personne ne veut voir, ne peut voir la nuit parce que les gens dorment. C'est pourquoi toi, tu vas dire que non. À partir de maintenant, tout le travail de la nuit fait contre moi, ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je suis en train de déclarer. Déclare pour ta vie. Déclare avec moi. À partir de maintenant, tout le travail de Satan contre ma vie la nuit, ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Je déclare à partir de ce soir, au nom puissant de Jésus, Yahweh, bon de Shakara Mamdoko, oh, nous sommes en train de dégager un feu. Tu es en train de déranger quelqu'un ce soir avec ta prière. Tu es en train de déranger quelqu'un ce soir avec ta prière. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un ce soir. Yes, le Seigneur. Le Dieu redoutable est en train de délivrer la vie de quelqu'un. Tu vas dire, il y a quelqu'un, tu vas prier contre les cauchemars. Tous les cauchemars qu'on amène dans ton cerveau la nuit quand tu dors. À partir d'aujourd'hui, le système qui est connecté à ton cerveau va être déconnecté. Commence à déconnecter. Tous les systèmes installés à ton cerveau pour te bombarder avec des mauvais rêves, pour te bombarder avec des cauchemars, pour te bombarder avec des mauvais rêves. Tu vas dire au nom de Jésus, je refuse tous ces mauvais rêves. Les systèmes qui connectent ma tête à des mauvais rêves, je commence à le brûler par le feu de Jésus. Les systèmes qui connectent mon cerveau à des cauchemars, je le brûle par le feu du Saint-Esprit. Déclare ce soir avec moi. Le système qui connecte ton cerveau à des mauvais rêves, brûle-le au nom de Jésus. Que le feu monte par le nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu doit tomber sur la tête de quelqu'un ce soir. À partir de cette meeting, le feu de Dieu va brûler les systèmes qui connectent ton cerveau à des mauvais rêves. Le système qui connecte ton cerveau à des cauchemars doit brûler au nom de Jésus. Quelqu'un va envoyer le feu à la source. Le feu à la source, c'est lui qui se cache dans les ténèbres. C'est lui qui se cache la nuit dans les ténèbres pour
communiquer des mauvais rêves à ton cerveau. Là où il est, qu'il soit brûlé. Là où il est, qu'il soit brûlé. Là où il est, qu'il soit brûlé. Par le feu, par le feu, par le feu. Prie avec moi au nom de Jésus. Envoie le feu à la source des mauvais rêves contre toi. La source qui produit des séries, des cauchemars contre toi. Que cette source brûle. Que cette source brûle. Que la source attrape le feu. Reçoit le feu. Que la source soit consumée. C'est soit par le feu, par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Prie avec moi, déclare ce soir, toi, source de cauchemars dans mon cerveau, brûle au nom de Jésus. Toi, source de cauchemars contre mon cerveau, brûle au nom de Jésus. Toi, source de cauchemars contre mon cerveau, brûle au nom de Jésus. Toi, source de cauchemars contre mon cerveau, brûle. Oh, ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler. Rien ne peut se tenir devant le feu de Dieu. Je suis en train de voir encore des chaînes qui sont en train de résister dans la vie de quelqu'un. Les chaînes qu'on t'a mis la nuit. Les chaînes qu'on t'a fait porter la nuit. Tu vas dire ce soir au nom de Jésus. Toi, chaîne de Satan contre ma vie. Brisée, 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 brisée. Sois brisée au nom de Jésus. Sois brisée au nom de Jésus. Yes, au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus produit un feu. 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 Déclare, fais cette prière avec moi ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le chaîne qu'on a mis sur ta vie la nuit, ça doit briser. Ça doit être brisé ce soir. Déclare avec moi ce soir. Toi, chaîne contre ma vie, installée dans ma vie la nuit, par la sorcellerie, par la magie, par le féticheurs, par le berchindaro, que ça brûle au nom de Jésus. Que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle. Le Seigneur Yahweh, l'Éternel, le Dieu de Jacob, est en train de délivrer quelqu'un ce soir. Tu vas bien dormir, tu vas bien dormir, tu vas bien dormir, tu vas bien dormir au nom de Jésus. Là où tu avais des cauchemars, là où tu avais des cauchemars, tu vas avoir commencé à avoir des révélations. Là où tu avais des cauchemars, tu vas commencer à avoir des révélations. À toi aussi, Dieu peut te donner les idées pour te transformer, pour transformer ta compagnie. À toi aussi, Dieu peut te donner les idées pour te transformer et te rendre millionnaire. La nuit quand tu dors, là où tu avais des cauchemars et que les sorciers de ta famille étaient en train de te chasser, à la sunde terandama shokarama, tu vas avoir les idées qui produisent l'argent. Tu vas avoir les idées qui vont faire pousser ta compagnie. Tu vas avoir les idées qui vont produire des bénéfices pour toi. Au nom de Jésus, je les déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, Yahweh est l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un. Tu rêves, tu te vois dans l'eau. Tu rêves, tu te vois dans l'eau. C'est un esprit de serpent, de la mer qui attaque ta vie. C'est un serpent, un esprit de sirène qui attaque ta vie. Tu vas prier ce soir avec moi. Tu vas commencer à déclarer. Déclare avec moi ce soir. Commence à déclarer ce soir par le nom puissant de Jésus. L'eau de la sorcellerie contre ta vie doit sécher ce soir. Tu vas dire, oh, toi, oh de la sorcellerie, toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à sécher. Toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à sécher. Toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à sécher. Toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à sécher au nom de Jésus. Ils ne pourront plus te prendre de ton lit et de t'amener dans la rivière. Au nom de la nuit, toi, tu dors. Tu penses que tu es en train de dormir dans ton lit. Non, 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 non. Mais eux, ils viennent, ils te prennent, ils t'amènent dans la rivière. Là, tu commences à nager comme un serpent de la mer. Tu commences à nager comme une sirène. Tu vas déclarer ce soir, toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à brûler au nom de Jésus. Toi, rivière de la sorcellerie contre ma vie, commence à brûler au nom de Jésus. Toi, yes, 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 au nom de Jésus, envoie
envoie le feu à la source. Envoie le feu à la source de cette rivière qui attaque ta vie. Cette rivière qui attaque ta vie. Cette rivière, yes, tu dors, tu te vois dans l'eau. Si tu envoies le feu à la source, tu ne vois plus jamais rêver de cette rivière. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus ce soir, envoie le feu. Envoie le feu à la source. Envoie le feu à la source. Le feu de Dieu détruit l'eau de Satan. Rasanda rechinga rabondo. Le feu de Dieu détruit la rivière de Satan. Le feu de Dieu. Machinda raba. L'eau la sindakendera. Le feu de Dieu. Même si tes ennemis, le sorcier de ta famille, leur bureau c'est en bas de l'eau, dans un pays lointain, 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 lointain. Le feu de Dieu entre en bas de l'eau et brûle. Yassia brande shinderemba se beaucoup. C'est pourquoi tu vas dire, au feu de Dieu, brûle mes ennemis au nom de Jésus. Au feu de Dieu, brûle mes ennemis au nom de Jésus. Même ceux qui se cachent en bas de l'eau. Au feu de Dieu, brûle mes ennemis au nom de Jésus. Même ceux qui se cachent en bas de l'eau, en bas de la rivière. Tous ces sirènes qui attaquent ta vie. Tous ces sirènes qui viennent, qui te volent de ton lit pour aller te faire nager la nuit. Que ce soit les rivières soient brûlées par le feu. Brûlées par le feu. Brûlées par le feu. Ouvre ta bouche, envoie le feu à la source, envoie le feu à la source, au nom de Jésus, que la source des rivières, des sorciers contre ma vie soit brûlée, la source des rivières, des sorciers dans ma vie soit brûlée, au nom de Jésus, soit brûlée, au nom de Jésus, soit brûlée, déclare avec moi ce soir, que la source des rivières, des sorciers dans ma vie soit brûlée par le feu du Saint-Esprit, qui est la source, à Shindaraba, à Sundarebele, envoie le feu à la source, envoie le feu à la source, envoie le feu à la source, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on va prier, on va prier, on va prier, il y a quelqu'un qui va prier ce soir, tu vas dire, toi serpent, qui dérange ma vie la nuit, sois brûlé. Au nom de Jésus, toi serpent, il y a quelqu'un, ta vie est dérangée par un serpent. Le serpent représente le travail de la sorcellerie. Quand tu vois ta vie, tes rêves, il y a des serpents qui essaient de te mordre, qui essaient de tourner derrière ton cou, derrière ta ceinture. Namonde Shikera Boromo, ce sont des signes des sorciers, des Lasu Kanda Boromo. C'est pourquoi tu vas déclarer ce soir, toi sorcier qui dérange ma vie, sois brûlé par le nom puissant de Jésus. Toi serpent qui dérange ma vie, sois brûlé par le feu, par le feu, par le feu. Nous sommes en train d'utiliser l'autorité que nous avons en Jésus. Cette autorité nous donne le pouvoir de bouger le feu, de bouger le feu, de bouger le feu. Alors envoie le feu. Tu es en train de prier ce soir avec moi avant de dormir. Tu es en train de prier ce soir avec moi avant de dormir. Et pendant que tu es en train de prier, la puissance du Seigneur va délivrer ta vie. La fine de Rabasoko, commande un feu sur les serpents contre ta vie. Les serpents contre ta vie. Qu'ils brûlent au nom de Jésus, déclare avec moi ce soir, toi serpent contre ma vie, sois brûlé par le feu du Saint-Esprit. Toi serpent de la sorcellerie contre ma vie, sois brûlé au nom puissant de Jésus. Toi serpent de la sorcellerie contre ma vie, sois brûlé. Yes, sois brûlé. Yes, sois brûlé. Yes, sois brûlé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un, tu es troublé par ce serpent. Il est en train de te serrer. Il est en train de te serrer à la cou. Non, pas à la cou, non, à la ceinture. Les serpents veulent prendre la place de la ceinture. Il veut te serrer à la ceinture. Et il y a quelqu'un, ces trucs te dérangent. Tu peux même sentir ces mouvements dans le ventre. Il y a des choses qui dérangent des gens. Il y a des choses qui dérangent. Des fois, tu vas croire que c'est un myope qui dérange ta vie. Mais par contre, c'est un démon, sorcier, serpent qui est dans ton ventre pour te déranger. C'est soit tu vas prier avec moi, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu contre les serpents qui dérangent ta vie. Le serpent représente la sorcellerie. La ponde chez Karaya, tu vas dire, toi serpent brûle, au nom de Jésus, toi serpent brûle. Yes, même ceux qui touchent ton ventre, qui jouent dans ton ventre, qui brûle.
brûle ce soir. Tu vas dire, toi serpent, brûle par le feu de Jésus. Je prie ce soir avant de dormir. Je prie ce soir avant de dormir. Je suis en train de prier, déclare. Je suis en train de prier ce soir. Je suis en train de déclarer le feu ce soir. Et je vais dormir en paix. Toi serpent qui me dérangeait au cou. Toi serpent qui me dérangeait autour de la ceinture. Toi serpent qui me dérangeait même dans mon ventre. Reçois le feu. Reçois le feu. Brûle ces choses. Brûle ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas prier une fois avant de dormir la nuit et toute ta vie sera délivrée. Toute ta vie sera délivrée. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. En prison, commence à déraciner. Commence à déraciner tout ce qu'on a semé contre toi la nuit. Tout ce qu'on a dit contre toi la nuit. Pour planter contre toi la malédiction. Pour planter contre toi les ténèbres la nuit. Tu vois comment ça les déraciner. Tout arbre que mon père n'a pas semé sera déraciné. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche. Commence à déraciner ces histoires. Ouvre ta bouche. Commence à déraciner ces histoires. Par le feu du Saint-Esprit, je déracine. Quelqu'un, tu vas répéter avec moi. Déracine. Je déracine. Je déracine tout ce qui a été planté contre moi. Tout ce qui a été planté contre ma vie la nuit. Tout arbre que mon père n'a pas semé, sera déraciné. Je le déracine. Je le déracine. Je le déracine. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déracine. Je déracine. Répète avec moi. Déracine. Déracine tout ce que Satan a planté contre toi. Déracine. Déracine tout ce que les sorciers de ta famille ont planté contre toi. Oh, ils ont planté contre toi des malédictions. Ils ont planté contre toi la mort. Ils ont planté contre toi la maladie. Ils ont planté contre toi des blocages. Ils ont planté contre toi des soucis. Ils ont planté contre toi des barrières infernales. Mais ce soir, tu vas les déraciner. Tu vas les déraciner. Répète avec moi ce soir. Je déracine tout ce que les sorciers de ma famille ont planté contre moi. Par le nom de Jésus, je déracine tout ce que les sorciers de la famille ont planté contre moi. Au nom de Jésus, je déracine. Ça doit sortir de mon ventre. Ça doit sortir de ma tête. Ça doit sortir de mes pieds. Ça doit sortir de mes mains. Ça doit sortir de ma vie. Ça doit sortir de ma famille. Ça doit sortir au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu seras délivré avec la délivrance de Dieu et tu vas rire devant tes ennemis. Tu seras délivré par la puissance du Saint-Esprit et tu vas te moquer de tes ennemis. Tu vas être délivré, mon Dieu, la délivrance d'Israël. Délivre quelqu'un ce soir. Je suis en train de prier avant de dormir. Je veux que tu pries avec moi ce soir avant de dormir et tu vas bien dormir. Ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera doux. Tu vas avoir des révélations. Ton sommeil sera doux. Le Seigneur va te visiter. Il est temps que Jésus entre dans tes rêves. Il est temps que toi aussi, la nuit, tu dors et tu vois Jésus venir parler avec toi. Là où tu voyais la tante du village, là où tu voyais les sorciers de ton village, ça doit être remplacé par le rêve prophétique qui amène la bénédiction dans ta vie. Là où tu voyais les sorciers de ton avenir dans tes rêves, dans tes cauchemars, ça doit être remplacé par des rêves. Révélation où tu es en train de voir Jésus. Oh, quelqu'un va prier avec moi. Jésus apparaît dans mes rêves. Jésus apparaît dans mes rêves. Jésus, yes, au nom de Jésus. Toi aussi, tu es un prophète. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, tu es appelé fils d'Abraham. La révélation de Dieu doit t'accompagner. La révélation de Dieu doit venir vers toi. Jésus doit apparaître dans tes rêves. C'est pour pourquoi je veux que tu pries? Tu dis, Jésus, apparaît dans mes rêves. Jésus, viens me parler dans mon sommeil. Jésus, viens me donner les révélations qui donnent l'argent, les révélations qui donnent la
joie, les révélations qui donnent le bonheur, les révélations qui donnent le papier, les révélations qui donnent le succès. Jésus apparaît dans mes rêves. Viens me parler de la grandeur, parce que le succès vient de Dieu. Alors quand Dieu t'apparaît dans tes rêves, il te donne le succès, il te donne le succès, il te donne le succès au nom de Jésus. Oh, ma Bible me parle de beaucoup de gens qui ont vu Jésus dans leurs rêves. Ma Bible me parle de beaucoup de gens qui ont vu Dieu dans leurs rêves. Rappelez-vous, quand Jacob était en train de fuir son frère, il était en train de fuir son frère, il était dans les troubles, mais quand il dormait les jours à la nuit, il a vu les anges dans ce rêve. Il a vu Dieu dans son rêve. Toi aussi, commence à voir les anges. Là où tu voyais les sorciers de ta famille en train de te faire courir avec des machettes. Là où tu voyais des sorciers, là où tu voyais des serpents à vouloir manger ta vie. Aussi à Kabon de Chindé, commence à voir les anges. Commence à voir les anges avec les épées qui sont en train de combattre pour toi. Commence à voir Dieu. Commence à voir Jésus qui te donne des révélations. La Bible me dit, Joseph, quand il était enfant, la nuit quand lui il dormait, il avait le rêve où il voyait les gens s'agenouiller devant lui. La Bible me dit, il a dit le rêve à ce frère. Et puis il a encore eu un autre rêve. Il a encore dit à ses frères que la nuit quand j'ai dormi, j'ai vu comment j'étais devenu roi. Et le frère, avant de tuer Joseph, avant de faire les choses contre Joseph, ils ont dit, tuons cet homme ici qui a des rêves. Toi aussi tu vas avoir des rêves de grandeur. Toi aussi tu vas avoir des rêves de grandeur. Là où on avait volé tes rêves, la Sia Open de Chicago, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Au nom de Jésus, je bombarde tous ceux qui sont venus contre toi pour voler tes rêves par le feu de Dieu. Je bombarde tous ceux qui sont venus contre toi pour voler tes rêves au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire voir Jésus dans ses rêves? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir des rêves prophétiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dormir et rêver le ciel, voir les anges de Dieu? Yatapodeshi Karamonde, pendant que tu es en train de m'écouter ce soir, toutes les chaînes qu'on t'a mis, on a mis sur toi pendant que tu dormais, je le brise au nom de Jésus. Toutes les chaînes qu'on a mis sur toi la nuit quand tu dormais, je les brise au nom de Jésus. Yes, je prie pour quelqu'un ce soir. Je suis en train de bénir ta maison avec le sang de Jésus. Je suis en train de bénir ta maison avec le sang de Jésus. Prie avec moi. Commence à fermer ta maison. Tout ce qui était ouvert, toutes les portes qui étaient ouvertes, toutes les fenêtres qui étaient ouvertes, qui a aidé les démons à entrer dans ta maison, qui aidait les sorciers à voir dans ta maison. Commence à fermer avec le sang de Jésus. Commence à fermer avec le sang de Jésus. Déclare ce soir avec moi par le sang de Jésus. Je suis en train de fermer tous les portes qui ont été ouvertes par le sang de Jésus. Je ferme toutes les fenêtres qui ont été ouvertes par le sang de Jésus. Je suis en train de fermer toutes les routes qui ont été ouvertes. Tout ce qui permettait aux sorciers d'entrer dans ma maison, je suis en train de le fermer avec le sang de Jésus. Je suis en train de le fermer avec le sang de Jésus. Commence à te oindre toi-même avec le sang de Jésus. Toi avec le sang de Jésus, oint ta maison avec le sang de Jésus, oint tes enfants avec le sang de Jésus. Prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes parents, prie pour tes enfants, prie pour tous les gens dans ta maison. Déclare ce soir, je couvre tous les gens de ma maison avec le sang de Jésus. Je couvre tous les gens de ma maison avec le sang de Jésus. La paix, 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 la paix de Jésus. La nuit, yes, tu es en train de prier avec moi avant de dormir et tu vas dire ce soir, la paix, la paix du Seigneur.
La paix, la paix du Seigneur. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Je prie. Je vais me coucher dans la paix. Yes. Je vais me coucher dans la paix. Yes. La tranquillité. Yes. Je le déclare sur moi. Je le déclare sur ma famille. Je le déclare sur mes frères et mes sœurs. Je le déclare pour ma femme. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour tous les gens dans la maison. Déclare la paix. Tu vas t'endormir dans la paix du Seigneur. Tu vas te réveiller le matin avec de révélations. Tu vas te réveiller le matin avec la parole de Dieu. Tu vas dire que oui, la nuit j'ai dormi et Dieu m'a parlé. Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Je me suis couché la nuit. Le Seigneur m'a montré le chemin du succès. Je me suis couché la nuit. Le Seigneur m'a donné la révélation que je veux mettre dans ma compagnie et ma compagnie va produire de l'argent. La nuit j'ai dormi. Le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour mes amis, une parole prophétique pour ma famille. La nuit j'ai dormi, c'était la paix, la paix, la paix. Et dans mon sommeil, j'ai vu Jésus. Dans mon sommeil, j'ai vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, n'aie pas peur, je suis ton nom, je suis avec toi. La nuit j'ai dormi. Quand j'ai dormi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et quand le Seigneur te parle ainsi, tu vas te réveiller là où Siak Robeke. Tu t'es réveillé en train de paniquer. Là où tu t'es réveillé et tu te demandais qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui. Là où tu t'es réveillé et tu te demandais comment est-ce que je veux payer le loyer. Là où tu t'es réveillé, tu te demandais comment est-ce que mon mariage va se produire. Qu'est-ce qui se passe dans mon mariage? Là où tu t'es réveillé, tu te demandais oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais le Seigneur va te donner les révélations. Tu vas te réveiller le matin en train de chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas te réveiller le matin en train de chanter. Tu vas te réveiller le matin en train de chanter. Je suis en train de voir quelqu'un chanter le matin. Parce que la nuit, avant de dormir, tu as prié. La nuit, avant de dormir, tu as invoqué l'Éternel. La nuit, avant de dormir, tu as dit à ton Dieu, « Oh mon Dieu, je me couche et je me réveille. » Parce que tu es avec moi. Yes, la nuit pendant que toi tu dors, les anges de Dieu te couvrent. Pendant que, yes, au nom de Jésus, yes, tous les sorciers qui venaient contre toi pour entrer dans ta maison, à partir de ce soir, je déclare les anges de Dieu contre eux. À partir de ce soir, je déclare le feu de Dieu contre eux. À partir de ce soir, je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Feu, au nom de Jésus. Oh, je bénis quelqu'un ce soir. Je bénis quelqu'un ce soir. Oui, mes frères et sœurs, voilà ce qu'on va voir cette semaine. Voilà la parole prophétique qu'on va voir toute cette semaine. C'est ce qu'on va voir ensemble. Prière avant de dormir. Nous sommes en train de prier ensemble avant de dormir. Tu pries, sois sérieux dans ta prière. Quand tu deviens sérieux dans ta prière, Dieu va être sérieux dans les réponses qu'il te donne. Quand tu deviens sérieux dans ta prière, Dieu va être sérieux dans les réponses qu'il te donne. Quand tu deviens sérieux dans ta prière, Dieu devient sérieux dans la manifestation. Tu es sérieux dans ta prière, Dieu est sérieux à te répondre. Tu es sérieux dans ta prière, Dieu est sérieux à faire des miracles pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes, je sens dans mon esprit que le Seigneur a béni quelqu'un. Je sens dans mon esprit qu'il y avait deux chaînes qu'on avait mis sur quelqu'un, et les chaînes qu'on avait mis sur toi étaient très fortes, que tu étais en train de saigner. On a mis des chaînes vraiment très fortes, que tu, quand tu toussais et tu toussais le sang. Et le Seigneur t'a délivré ce soir. Le Seigneur t'a délivré. Le chaîne qu'on a utilisé sur toi, ce sont les chaînes que tu vas enlever, tu vas les utiliser sur tes ennemis au nom de Jésus. Le Seigneur a écrit dans la Bible pour nous qu'il est celui
qui nous entraîne au combat. Il est celui qui entraîne nos doigts, nos mains pour des combats, pour livrer des batailles. Voilà ce que David nous dit dans le livre des Psaumes. Alors, nous avons prié ensemble, c'était aussi une prédication, c'était aussi un enseignement, c'était aussi un entraînement. Alors, au lieu que je te raconte et puis je te laisse, non, j'ai prié avec toi, on est en train de prier ensemble. Tu es en train de voir le modèle et je t'ai dit, tu vas t'endormir. Et tu vas te réveiller courageux. Tu vas t'endormir et tu vas te réveiller dans la joie. Tu vas t'endormir, tu vas te réveiller. Pendant que eux, ils pensaient que tu vas t'endormir et partir. Mais toi, tu vas te réveiller, eux, ils vont partir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur est fort. Notre Seigneur est le vainqueur. Notre Seigneur est celui qui donne la grande délivrance. Soyez bénis toute la famille. Je dis shalom à tout le monde connecté ce soir. Sois bénie maman Michel la douce Dex. Alléluia. Sois bénie Tatiana Kelly. Sois béni mon frère Jacques Baba. Soyez tous bénis. Mon frère Casimir, sois béni par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Divana Bakumuna, sois bénie ma soeur Divana. Soyez tous bénis, Cathy Kayoka, sois bénie ma soeur Cathy, c'est toujours la joie de te voir en ligne. Maman Aziza, sois bénie, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus, soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse richement. Je ne peux pas voir tous les noms, je vois seulement les commentaires qui sont en bas en dernier. Alors, fais-moi voir ton commentaire, toi aussi je vais te dire shalom. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur, bien que nous sommes arrivés à la fin du vidéo. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager le vidéo. Partage ce vidéo, ton frère et ta soeur qui est encore debout, qui est encore en train de faire quelque chose d'autre, avant de dormir, ils vont venir, il va allumer son ordinateur, il va allumer son téléphone pour regarder et il va voir ce que toi tu as partagé, il va regarder la prédication et il va prier avant de dormir et il sera aussi béni. Alors, aidez-nous à partager ces vidéos pour bénir la vie de quelqu'un. Alors, soyez tous bénis, je vous bénis, je vous aime beaucoup. Nous nous retrouvons demain à la même heure par le nom puissant de Jésus. Shalom.